Le petit DJ congélateur, quoi, là, il ne peut pas le soutenir. Hein. Il ne peut pas le soutenir. C'est un sorcier. Le petit qui est penché comme quoi, là. Il est très mauvais. Qu'il arrête de faire semblant que les gens arrêtent de faire semblant que non, c'est parce qu'il est, il est un peu déstabilisé. Non, non, il n'est pas déstabilisé. S'il était malade, il a fait comment avant de savoir qu'il pouvait faire une récupération sur la mort de Jiji Arafat? Que ça pouvait le rendre stable. Hmm? En criant ces conneries-là, que oh, je suis con, je suis deuxième. Regarde, il est mal, c'est malhonnête. Maintenant, il est conche. Quand Amourang dit, Jiji Arafat avait sa musique, con là. Maintenant, il dit qu'il est conche. Il y a l'autre qui a sorti son morceau, Chingon dans le ring. Pam, il a fait récupération. Hmm? Il se cherche. D'où il cherche la Russie, il cherche la jambe. Et les gens vont dire qu'il est fou, il ne connaît pas ce qu'il veut faire. Regarde l'ingratitude qu'il a fait avec Manager confirmé. Jusqu'à venir mentir sur la télé, sur la toile, que Manager confirmé, il confirme que Manager confirmé lui a violé. C'est quel genre de méchanceté ça? Et je vois les gens qui soutiennent ça, qui le soutiennent. Ils ne peuvent pas soutenir quelqu'un dans des choses comme ça. Je aide beaucoup, j'aime voir les gens réussir, j'aime voir surtout les gens qui sortent de nulle part pour devenir quelque chose. Quand ils voient ça, quand ils voient même un musicien qui est en train de se battre pour devenir quelque chose, je prie même pour lui, je partage cette vidéo, je prie pour lui, je m'en fous s'il vient de quel pays, même s'il vient d'où, tant que c'est un Africain, tant que c'est un frère noir, il fait tout pour lui, si j'ai les possibilités. Donc je partage cette vidéo, je mets les likes, j'envoie ça à mes amis allemands, je fais tout pour qu'ils réussissent. Parce que je vois un frère noir. Mais quand je constate que tu es un sorcier, je te déteste à vie. Je te déteste à vie et je m'en fous. Si tu réussis, tant pis, tant mieux pour toi. Si tu ne réussis pas, je m'en fous. Et le petit là, c'est un sorcier. DJ Kondolaté là, c'est un sorcier. Qui l'arrête de faire semblant qu'il est fou ou bien il est malade? C'est un illettré. C'est un sorcier. C'est un illettré et c'est un sorcier. C'est un petit villageois. Voilà ses trois problèmes. Mais il est sorcier. Il est mauvais. Son cœur est mauvais. Le petit là est mauvais. Qui l'arrête de faire semblant que les gens arrêtent de dire oh, ce sont les gens qui mettent ça dans sa tête. Non. Mais attends, lui-même, il est déjà mauvais avant qu'on mette ça dans sa... Avant qu'on l'envoie maintenant devant de venir parler. Lui-même, il est déjà mauvais. Pourquoi? Bon, il y a aussi l'autre qui est aussi un peu... On le voit, on sent aussi que tout n'est pas complet. Grand P. Pourquoi depuis Grand P est toujours avec son manager? Pourquoi depuis les choses comme ça, on n'entend pas ça chez Grand P? Pourquoi Grand P chante toujours pour aider les déstabiliser? Pourquoi il a des fondations pour aider? Il pense toujours à aider. Il se bat, il est toujours calme, il est gentil. Parfois, il veut aussi s'amuser aussi sur la toile, d'engueuler, de faire semblant de clasher les gens. Mais c'est le game. Mais quand on voit Gampé, on sent que c'est un petit qui est calme, qui est très gentil. Mais votre petit sale truc, penché comme... Je ne sais pas, il veut pas le chuter parce qu'il est né comme ça, mais... C'est un sorcier. Quand c'est un sorcier, on n'a pas pitié d'un sorcier. Celui-là qui veut détruire les autres, on n'a pas pitié d'eux. Je n'aime pas les gens qui détruisent, les gens qui sont méchants. Les gens qui ne sont pas reconnaissants. En faisant semblant d'être fou, c'est un psychopathe. C'est exactement comme ça que les psychopathes fonctionnent. Le petit là, c'est un psychopathe. C'est des blancs qui sont psychopathes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font semblant d'être fou, mais il faut voir les choses qu'ils font derrière. C'est eux qui tuent les gens qu'on cherche, on ne trouve pas là, c'est eux qui tuent. Mais ils font semblant comme s'ils sont fous. Le petit là, il est comme ça, c'est un psychopathe. Hmm? Il est très mauvais. Il est très mauvais. Combien de chances on doit lui donner pour qu'il comprenne que ce n'est pas bien d'être ingrat? Combien de chances? Lui-même, je ne sais pas, il n'y a personne plus loin qu'à Dieu parce que le petit là, votre DJ congélateur là, sa carrière, ça va finir que dans les poubelles. Mais l'ingratitude ne dure pas.
si tu es méchant, surtout quand tu es méchant et que tu traites avec. Quand tu es méchant et que tu traites avec le monde, ça finit toujours par te rattraper. Ça finit toujours par te rattraper. Donc, voilà pourquoi l'autre n'a pas de talent. Hein. On dit qu'il n'a pas de talent, il est ceci, cela. Mais regardez d'où il est arrivé. Jusqu'à déjà partir en Paris, jusqu'à rentrer. Jusqu'à là, à Paris, jusqu'à rentrer. Les gens, donc il y a les gens qui le aident même, sans savoir pourquoi ils veulent vraiment le aider. Les gens le aident même, sans savoir pourquoi ils le aident. Parce que, il y a les gens que le cœur là, tout ce qui est bien, ça poursuit. Le petit malade déjà confirmé là, c'est un gars qui est très gentil. C'est un gars qui est très, très gentil. Mais votre petit délinquant là, le bandit là, celui qui a fait récupération sur la mort de Jaja Rafat là, qui est méchant là, c'est un petit qui est méchant, c'est un petit pédophile comme ça, qui embrasse les... Si c'était ma fille qui là, il allait couper sa bouche penchée là, il allait couper ça. Il allait couper ça, il n'allait plus chanter. Il allait couper ça. Il connaît tout ce qui fait ça. Il fait semblant de ne pas le connaître. Il connaît tout ce qui fait ce petit penché-là. Avec, vous voyez, un bande de sorciers. Un groupe de sorciers. Vraiment, vous les Ivoiriens, vous êtes en problème. Hein? Si vous ne chassez pas ces gens-là, arrachez le petit-là. Arrachez le petit-là et amenez-le dans une église. On va prier sur lui. Ou bien, chez un imam, on va prier chez lui. On va prier sur lui. Il va aller rejoindre son grand frère. On serait content. C'est la seule chose qui peut faire en sorte que les gens vont encore aimer. Les ceux qui sont sur la toile, c'est 4, c'est 50. Parce qu'il y a toujours les sorciers. Il y a toujours, dans tout ce que nous faisons sur cette terre, même si tu passes ton temps à tuer les gens, hein, il y aura les gens qui vont te soutenir dans ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a toujours les sorciers. Donc, ceux qui soutiennent DJ Kondiate là, ce sont les gens qui aiment les choses, qui aiment de mauvaises choses. Les gens qui aiment quand on détruit les gens, quand on détruit la vie des gens, quand on est méchant, quand on n'est pas reconnaissant. Ce sont eux-là qui le soutiennent. Et en plus, ils sont entourés avec des vrais sorciers maintenant. Il ne savait pas que Lolo Beauté, là, celle qui crie sur la toile, il ne savait pas que c'était une vraie sorcière, que c'était une femme très, très méchante. Hein. Il ne savait pas qu'elle était méchante comme ça. Alors que les gens passent le temps à insulter son frère. Son frère n'est pas méchant. Vous avez vu, son frère a pris le côté, il a soutenu ce qu'il doit. Il n'a pas regardé que non, comme ma soeur et avec Dieu Kondiate. Non. Il n'a pas regardé ça. Il a regardé qui a fait du bien. Et qui a tort, qui a été ingrat, c'est ce que son frère a regardé. Votre Lolo Beauté là, avec sa bouche comme le pangolais là, avec sa, je ne vois pas, en tout cas, votre Lolo Beauté là, depuis qu'elle est sur la toile, depuis les années qu'on le voit, on la voit sur la toile, il n'a jamais vu d'où elle fait un don à quelqu'un. Elle crie toujours, je suis entier de avion. Je suis millionnaire, c'est ça. Il n'a jamais vu vraiment entier d'aider les enfants là dans la rue. Il n'a jamais vu entier d'aider, il n'a jamais vu entier de partir dans un vie ou bien dans un quartier pour aider vraiment les enfants. Une femme comme elle, qui a déjà près de je ne sais pas si elle a 6 enfants avec 6 différents pères, en tout cas, ce n'est pas notre problème, mais elle a quand même des enfants. Donc, elle devait au moins penser aux enfants chaque fois qu'elle est là-bas en Côte d'Ivoire. Il ne le fait pas. Le petit qui s'est battu, dis-je confirmé, qui s'est battu avec l'autre petit, avec le petit sorcier là, qui s'est battu avec lui. Tu es parti prendre, je ne sais pas comment vous vous êtes arrangé
quand tu es ensemble avec l'autre que sa carrière depuis il a déjà fait tout genre de buzz, tout genre de choses, sa carrière ne décolle pas. Et on s'est posé les questions, pourquoi sa carrière est si constipée dans son anus? Pourquoi sa carrière est si constipée dans son anus? Pourquoi il ne décolle pas? Moi-même, j'ai même laissé les commentaires sur son YouTube. Ça fait de cela un an, j'avais laissé les commentaires. Je vois le gars, il se bat depuis, il chante bien. Mais pourquoi les Ivoiriens refusent de l'adapter? Je ne comprenais pas. C'est son geste qu'il a fait avec manager confirmé là. Et j'ai dit, yes. J'ai dit, donc ça veut dire que c'est Dieu qui connaissait ce qu'il faisait. Ça veut dire que le gars, c'est un Satan. Dans son nom, là, Tisco le Satan, ça passe bien avec lui. Et en plus, c'est un rebelle. C'est comme ça qu'il est parti kidnapper le petit là. Parce qu'il a fait sa carrière, il s'est battu avec... il a commencé avec qui même? Avec Didier Arafat. Non, il a commencé même ici en France. Avec les gars de la France là. Mais là, vu que c'était dangereux, il a fui. Il est parti en Afrique. Il s'attaque à Didier Arafat, ça ne marche pas. Il s'attaque à Debodo, ça ne marche pas. Oh, il prend les filles, il lui met sur son Facebook, on bloque son compte. Ça ne marche pas toujours. Il passe à attaquer à Mola, on le jette en prison. Il s'attaque à les femmes, les Keita, les Emalus, toutes ces choses. Sa carrière ne décolle pas toujours. Donc, finalement, il est même parti. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, ou bien il a utilisé seulement nos amours. Il est parti récupérer la sœur de Makoso. Comme c'est un autre sorcier, ils se sont associés, deux sorciers, pour aller kidnapper maintenant ce petit-là, parce que le petit-là, les buzz, ça chauffait encore sur la toile, son étoile brillait encore un peu, ils sont partis maintenant récupérer le petit, comme ils savent que le petit-là, lui-même, c'est un petit sorcier, donc ils savaient déjà que ils vont réussir à le convaincre. C'est comme ça qu'ils sont partis prendre le petit là. Vous prenez maintenant le petit, ce que vous avez fait là est déjà très très mauvais et c'est très très condamnable. Normalement, les gens qui raisonnent, si c'était dans un pays anglophone, c'est que le petit là, sa carrière est déjà morte, c'est qu'on ne parle plus de lui. Les anglophones allaient dire que quoi? Donc tu as accepté ça? Laisse l'affaire là que tu es fou, c'est cela, tu es méchant, ton cœur est déjà méchant. C'est là où maintenant les enfants devaient commencer maintenant à regarder tout son passé. On allait même découvrir que bon, au passé là, Didier Arafat est mort. Mais le petit, si on dit qu'il est fou, on dit qu'il ne connaît rien, on dit qu'il est ceci, cela. Mais il a fait une récupération sur la mort de Didier Arafat. Il savait ce qu'il faisait. Il a fait la récupération sur sa mort. Donc, ce qui veut dire, il n'est pas complètement fou. Il n'est pas complètement fou. S'il était complètement fou, pourquoi il cherche à devenir star? C'est parce que vous avez déjà vu combien de fous dans la rue qui cherchent à devenir star, qui se plaint qu'il fait les prestations et son manager bouffe son argent et toutes ces choses. Qui vient même mentir quand le mougou pour convaincre les gens. Vous avez déjà vu quel fou qui fait ça? Il n'est pas fou, c'est un sorcier. Donc ils sont partis récupérer le petit là, en pensant que ça allait faire décoller la carrière de Tesco. Toujours rien. Il a sorti son morceau avec l'autre Pacho, mais c'est Pacho le gâteau, quoi là. Quand la boue descendait, montait, blablabla. Ça a chauffé un peu, peut-être une semaine. Allez, mort, pian. Donc le gars a vu que même avec le petit là, ça n'a pas toujours donné. Ils sont partis en France, mentir que oh, le petit avait réussi. Buzz ne donne pas toujours. Les carrières constipées. Le life de Lolo Beauté aussi constipé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ils ont jeté la loupe. Lui, il a appelé maintenant son cousin. C'est là maintenant qu'on a vu la face, la tête, comme le papa est pourri là. Avec son white, ou bien c'est whitey manager, celui qui a la tête comme le papa est pourri là, celui-là m'énerve. Seulement, quand il voit celui-là, j'ai envie de vomir. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai un cœur très propre, très gentil que quand je vois quelqu'un qui est mauvais, qui a une mauvaise forme, je le déteste. Sans le savoir pourquoi je le déteste. Et ça finit toujours par être que la personne-là, c'était une mauvaise personne. Et ça finit toujours par être que
la personne là était une mauvaise personne. Votre whitey manager là, qui avait le petit là. Le petit là, on peut toujours, on peut encore le baptiser. On peut encore le baptiser. Parce que bien sûr qu'il a un peu du talent. Il a un peu de talent. Il peut s'en sortir. Mais on peut encore le relaver. C'est comme si, apparemment, sa mère lui avait abandonné. Il a dormi dehors et toutes ces choses. Ça lui donne les mauvais esprits sont rentrés dans lui. Ça peut aussi être. Donc, on peut toujours le sauver. Mais, pour le sauver, on doit l'écarter de ces gars-là. Surtout celui qui se nomme Whitey Manager. Celui que sa face est comme si c'est lui rouge qui met là-dessus. Là. Lui-là, on doit d'abord le chasser. On doit l'écarter. Si le petit-là veut s'en sortir. Sinon, sa carrière, ça va finir dans un poubelle. Même si sa carrière va finir, ça va un jour comme ça va disparaître. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Mais Dieu te donne le temps. Dieu te donne le temps. Dieu pousse les gens devant toi, derrière toi, de te convertir, jusqu'à Dieu te lâche. Vous voyez tous ces gars qui luttent pour qu'ils reviennent avec manager confirmé, qui luttent pour qu'ils laissent les gens là. Et ils forment une équipe avec les autres personnes. Tous ces gens-là, c'est Dieu qui les pousse. Mais il y a les sorciers sur la toile qui ne peuvent jamais le comprendre. Ils pensent que non, tout ce qu'ils voient, c'est que non, le petit si est un peu déstabilisé, il n'est pas dans tous ses sens. Donc, fais quoi, il est innocent. Le petit-là n'est pas innocent. Je voulais dire que s'il était innocent, n'allait pas faire récupération sur la mort de Jésus Arafat. S'il était innocent, n'allait pas faire récupération sur la musique de l'autre qui avait chewing-gum sur le ring, qui avait vraiment chauffé la toile. N'allait pas faire récupération sur ça. Ou bien prendre le dernier nom que DJ Arafat, avant de mourir, il avait son projet de Kong là. Je ne sais pas ça que le petit là se nomme aujourd'hui. Conch. Il a seulement jeté Conch. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc vous pensez qu'il est fou? Il est fou avant qu'il veut devenir star. Il est fou avant qu'il veut avoir l'argent. Il est fou avant de venir vouloir détruire manager confirmé. C'est méchant, c'est un sorcier, c'est un petit sorcier, c'est un petit ingrat. Ah, I hate wicked people. I hate wicked people. Vous pensez que parce que quelqu'un est un peu déstabilisé, tu vas aller tuer quelqu'un, on va dire que non, c'est parce qu'il est déstabilisé et on va te laisser. On va aller te jeter en prison. On va te jeter en prison. C'est vous les francophones, c'est vous qui supportez les conneries comme ça. Voilà pourquoi tous les pays francophones sont c'est du même bord ou quoi. Parce que vous êtes toujours dans les conneries, dans du matu-vu. C'est bien de venir faire les vidéos, c'est bien de venir se placer là. Vouloir toujours être la première personne pour qu'on regarde. Vouloir toujours chercher pour qu'on le voit d'abord. Mais attends, mais réfléchissez un peu. L'exemple, c'est qu'il a fait à manager confirmé là. Si on vous fait ça, ou bien on fait ça demain à vos enfants, vous serez aussi contents. Vous allez supporter ça. Hein? Vous allez soutenir. Même la mère de Gigi, quand il a été condamné ça, condamné son acte. Voilà pourquoi sa mère déteste ce genre-là depuis. Même s'il veut faire quoi à son fils. C'est même le fait qu'ils ont poussé DJ Konaté à faire ce qu'il a fait là. Sa mère n'est pas d'accord avec eux. Sa mère n'est jamais d'accord. Même sa mère condamne. Et votre white, ou bien ce white manager quoi là. Le jour qu'il va réussir à entrer ici en Europe. Le jour qu'il va réussir à entrer en Europe, c'est terminé. Il ne va plus rentrer. Et toutes les prestations qu'il va faire avec DJ Konaté là, il va mettre l'argent dans sa poche. Il va disparaître dans la nature. Ici en Europe. Ce qu'il dit là, vous allez revenir me dire que j'avais raison. Le jour que Whitey Manager là, il va réussir à brancher avec le petit là jusqu'à entrer en France ou n'importe quoi en Europe. Ou bien en Amérique. Le jour là que sa carrière avec votre DJ Konaté là, ça prend fin. Quand il va arriver là, il va faire les prestations avec lui, tout, il va se remplir de poche et il va disparaître dans la nature. Il a dit que le gars là, quand je le regarde, c'est un gars qui a une très mauvaise forme. Regardez comment ils ont fait une récupération sur DJ Konaté.
Je ne sais pas si c'est la vérité qu'il dit ou bien c'est le mensonge, mais il avait quand même dit je suis en train de me préparer ou bien m'arranger pour aller dans le village de DJ Congélateur. Sa maison, la maison de sa mère est un peu penchée, voilà, la maison de sa mère est penchée comme DJ Congélateur. Ah, les DJ, là, vous êtes même les DJ, vous connaissez même ce que ça veut dire DJ. Déranger les gens, DJ. Bon, il disait qu'il voulait aller dans le village de ces penchés-là pour aider sa mère à un peu redresser sa maison. Vous avez fait récupération une seule fois. Vous êtes d'abord parti là-bas et vous avez appelé sa mère. Sa mère vous a menti de venir parce qu'elle avait les plans pour arracher son enfant. Mais maintenant, comme elle a arraché son enfant, comme elle ne connaît pas aussi trop les choses, vous avez utilisé les autres moyens jusqu'à lui arracher l'enfant et la convertir. Mais la dernière vidéo que vous-même vous avez fait, d'où DJ Congélateur est en train de demander à ses fans de lui aider à arranger la maison de sa mère et toutes ces choses-là. Que l'autre menté n'a pas envoyé l'argent à sa mère et qu'il ne veut plus qu'il prononce le nom de sa mère. Il a même fini par dire Maudia. Vous voyez comment le petit là. C'est un sorcier! Ce petit là, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Je ne te souhaite pas. Mais il faut changer ton cœur. Il faut être reconnaissant. C'est très important dans la vie. C'est très, très important. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que ça. Quand tu n'es pas reconnaissant, ceux qui te soutiennent dans tes conneries là, ils vont te lâcher. Parce que ce sont des sorciers, ce ne sont pas tes fans. Tous ceux qui vont te soutenir sans d'abord condamner ton acte sont des sorciers. Et le jour que ça ne va pas aller de ton côté, ils vont te lâcher. Bah, ils sont des sorciers, ils n'ont pas de cœur. Tous ceux. Mais il y en a les gens qui te soutiennent toujours. Mais ils vont d'abord condamner ton acte. Donc, petit, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Va demander pardon. La maman a déjà confirmé. Oh, parle aux gens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sois gentil. Mais ils te soutiennent quand même parce qu'ils ont l'amour pour toi. Ils ont l'amour pour toi. C'est ta chance. Il y a les gens, on voit les gens comme ça, on les aime. Donc, ils ont l'amour pour toi, ils te soutiennent, mais ton acte ne les plaît pas. Ils condamnent ça. Et c'est la même chose que nous devons faire avec tous les... C'est comme ça que les Africains doivent vivre. Si nous voulons avancer un jour, on ne peut pas aimer les gens aveuglement. Et les gens font ça aussi avec les trucs des politiciens et toutes ces choses. Vous aimez quelqu'un, donc tout ce qui est fait, tout ce qu'il fait, vous acceptez ce manque. Vous ne pouvez pas condamner. Vous ne pouvez rien dire parce que vous l'aimez. Si les autres condamnent, c'est parce qu'ils le détestent. Pourquoi les Africains sont... Pourquoi vous êtes bordés comme ça dans vos têtes? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Est-ce que c'est comme ça que les êtres humains vivent? On peut toujours aimer ce petit-là, mais on le condamne. On le sensibilise. Et tous ces sorciers qui ont commis cet acte-là, on les chasse à côté de lui. Mais on ne le fait pas. On veut être Satan et convertir les gens. Pendant combien de temps vous allez faire ça? Pendant combien, sans demander pardon, sans changer vos manières. Vous pensez que vous allez continuer à tromper les Africains? Vous allez continuer à tromper les Ivoiriens? À tromper les autres, les Africains? Tous les gens qui vous regardent, vous pensez que vous allez continuer à les tromper? En voulant toujours faire quoi que non, DJ Congélateur? Oh, c'est parce que... Il ne va pas bien dans sa tête. Tout ces choses-là, on met ça dans sa tête. Et en plus, Maria a confirmé, c'est vraiment une mauvaise personne. C'est un menti. Il a voulu vraiment violer l'enfant. Il avait utilisé l'enfant. Il avait fait ceci, cela. En plus, arrêtez ces mots-là que l'enfant. Le petit, là, ce n'est pas un enfant. S'il n'a pas autre, il a 25 ans. Il a 25 ans, 26 ans. C'est un papa, c'est un vieux. S'il est comme ça, s'il parle comme ça, c'est parce que c'est un illettré. C'est un petit sorcier. Parce que moi, là, je suis anglophone. Mais je m'exprime mieux que même son whitey manager, son quoi, son autre sorcier là qui met lui rouge sur sa face là. Je m'exprime mieux que lui. Donc, ça vous ferait mieux de demander à ce petit d'aller demander pardon. Un manager confirmé. Ce petit-là pense même à la mère. De manière confirmée. Il a déjà pensé même un jour à la mère de manière confirmée, à ses parents. Il peut même penser au niveau là.
ces petits arrière-pensées pour aider les gens. Quand j'ai vu une vidéo d'où il est parti donner le cadeau. Il est parti donner un cadeau à Safo. C'était juste pour les stocker. C'était juste pour les stocker. C'est juste pour le retirer de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il voulait vraiment donner. C'est un petit méchant et sorcier. Un petit qui pense seulement à lui. Oh, vous voyez, vous pensez que moi, conche, vous voyez ma maison. Et en plus, il est même arrogant. Hmm? C'est quelqu'un qui se place sur la télé, il regarde l'autre. Même votre fior, ou bien c'est quoi fior là. Hein? On lui pose des questions, il regarde, il dit que ça là. Il fait ça 2-3 fois pour montrer qu'il connaît ce qu'il fait. Ça là. Tu regardes ton grand frère, tu dis ça là. Il avait fait ça aussi avec l'autre là. Ce nom c'est encore qui? Ange Pharaoh, il avait aussi fait la même chose. Ça là. C'est moi, il le giflait sa tête là, ça va revenir. Il le gifle sa tête là, comme il fait semblant, comme si il veut le gifler, sa tête va revenir. C'est pas parce qu'il fait ça, il ça là. Même un individuel connaît qu'on ne dit pas ça là à quelqu'un. Il fait, c'est un petit arrogant, un petit méchant, un sorcier. Vous allez voir, continuez à le soutenir. Continuez à le soutenir. Un jour, vous aurez seulement vos yeux pour pleurer. C'est un petit sorcier. Ces actes ne me plaisent pas. Le petit là, ces actes, ce qu'il fait, ça ne me plaît pas. C'est un petit sorcier. Laissez ça qu'on met les choses dans sa tête. Tu n'es pas un sorcier déjà. On ne peut pas mettre les mauvaises choses dans ta tête. Dis ton fond là. Vous pensez, pourquoi? Bon, vous pensez qu'on peut aussi faire ça avec grand pays? Vous pensez qu'on peut avoir aussi les sorciers comme ça avec Grand Père? Grand Père, lui, va accepter ça. Il ne va pas accepter. Parce que son cœur est déjà gentil. Grand Père, c'est quelqu'un qui voit, qui aime aider, qui a un cœur propre. N'est pas sorcier. C'est pas vrai, c'est parce que le petit là a dormi dans la rue que les mauvais esprits sont entrés sur lui. Il lui marche déjà comme un mauvais esprit. Partagez cette vidéo. Il faut que ça arrive vraiment au petit là. Il faut que ça arrive à son staff là. Il faut qu'il soit changé les manières. Faisons même la paix. Pourquoi vous ne voulez pas faire la paix? Faites la paix de vouloir maintenant entrer dans les clashs des communes. Faites la paix. Le camp des managers confirmés est en train de gagner. Et en train de vous mener. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez pardon. Vous avez tort. Demandez pardon et faites la paix. Mettez-vous ensemble. Et travailler. Mais ce maudit là, Whitey manager, il faut le chasser. C'est un maudit. Sinon, il va finir par vous mettre dans un mamaï terrible avec son frère Tiesco le Satan. Sinon, ils vont finir par vous mettre parce que les gens là pensent que à leurs intérêts. Ils pensent à eux seulement et détruisent les autres en mentant. En mentant, ils s'en foutent. Ils ont déjà fait ça, c'est plusieurs fois que nous avons vu. Ils ont menti que nous sommes avec juge conservateur en France. C'était pour leur propre intérêt, non? Est-ce qu'ils pensaient à juge conservateur ou non? C'était pour leur propre intérêt. Je ne sais pas parce que, ou bien les Africains sont encore totalement dans l'obscurité, ou bien vous êtes encore les villageois, qu'il y a certaines choses qui vous échappent, ou bien je ne comprends pas. Les gens font certaines choses sur la toile, et vous voyez les gens qui viennent toujours envoyer les cœurs, les likes, les ceci, là. Vraiment, on te soutient. Vraiment, on vous remercie pour tout ce que vous... C'est parce que vous êtes villageois, que vous avez décrivé les réseaux sociaux, que vous êtes embrouillé, ou bien c'est comment. Je me pose souvent les questions. Alors, si c'est alors ça, civilisez-vous. Civilisez-vous vite. Et retrouver les autres. Les autres sont avancés, les pays anglophones sont avancés. Vous avez vu combien, depuis que Facebook existe et tout ça, vous avez vu combien des anglophones ont été clashés sur la toile. Quand ils font ça, peut-être ça peut se 2 jours et ça passe. Et passe dans un autre business. Et passe dans un autre business. Mais chez vous, tous les pays francophones, au Cameroun, partout, c'est que des conneries.
Que des conneries sur la toile, la classe. Chacun veut montrer que c'est moi qui est le plus intelligent, c'est moi qui a la plus grande maison, c'est moi qui a le bon travail, c'est moi qui travaille, c'est moi. Alors qu'elles, tous sont des vauriens. Ici en Allemagne, quand je regarde tous les gens, tous les Camerounais qui ont des maisons, qui achètent des maisons ici, ce sont des anglophones. Ils ont des postes, il y a des ingénieurs, des docteurs, ce sont des anglophones. Par contre, tous les francophones sont les anglophones et les bamlékés. Mais les autres, des Ekan et tous ces gens-là, ce sont des bavardeurs sur la toile. Ils n'ont rien. Ils passent tout le temps à bavarder. En Côte d'Ivoire, la même chose. Vous n'êtes pas différent des gens du centre du Cameroun. Vous n'êtes pas différent de vous. C'est la même chose qui est constatée sur vous. Vous passez tout votre temps à bavarder sur la toile, alors que vous n'avez rien dans vos culs. N'avait rien depuis que je suis ici en Allemagne. Près de 20 quelques années, je n'ai jamais vu, j'ai vu seulement jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu seulement un seul étudiant ivoirien. Je ne sais pas, parce que c'est qu'à Bremen, il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Je pense que là-bas aussi, il doit avoir des Ivoiriens qui sont étudiants là-bas, mais je n'avais pas trop duré à Bremen. Mais il dit, celui que je lui ai vu, Ivoirien, étudiant Ivoirien, il est fini que dans la rue. Parce qu'il n'a même jamais fréquenté. Lui, il a fini sa part des études dans la rue. Mais vous bavardez, vous êtes là. Vous êtes des vauriens en Europe, mais vous bavardez dans les oreilles des gens. C'est terrible. Regarde l'autre qui est là-bas au USA. Mais ne dis pas que c'est tous les Ivoiriens. Hein. Ceux qui bavardent sur la toile. Parce que c'est que les vrais Ivoiriens qui font, qui réalisent des choses, on ne les voit même pas sur la toile. On ne les voit même pas sur la toile. Mais tous ceux qui sont frustrés là, la toile est devenue leur maison. Ils viennent forcer les gens. Ils viennent te forcer, ils viennent forcer les gens à les respecter. Ils veulent créer une image à tout prix et les gens doivent s'adhérer à ça. Regarde l'autre qui est là-bas, aux États-Unis. Il passe tout son temps à insulter les gens. Un papa de 60 ans, il passe tout son temps à insulter les gens. Et lorsque tu regardes les commentaires, tu es un les gens, il se nomme même les gens. Il est les gens d'insulter les gens. Les gens sont contents. On envoie les likes, on envoie le cœur. C'est tout ce que tous les pays francophones, c'est comme ça. Voilà pourquoi l'Afrique a des problèmes. Vous pensez que l'Afrique, si n'avait pas les francophones en Afrique, l'Afrique devait être comme ça? Jamais. Jamais. Bah, vous aimez que des conneries. Vous aimez que des conneries. Quelqu'un a un papa de 60 ans. Il est dans sa chambre en train d'insulter les femmes, insulter tout le monde, créer les problèmes. Tout. Il est. Mais attends, tu n'as plus le passeport américain, non? N'est-ce pas? Tu n'as pas dit que tu es américain. Et pourquoi tu fuis ton nez seulement dans les problèmes des Africains? Pourquoi tu ne peux pas? Il faut aussi rester là-bas. Tu clashes les Américains. Là-bas, chez vous, tous les Américains sont des drogueurs. Presque toutes les femmes noires en Amérique filment le banga. Il faut les insulter, il faut les clasher aussi. Même dans ton quartier, c'est sûr qu'il y a les gars là-bas qui filment le banga. Et tous les gars, américains noirs, ils aiment trop le banga. Avant de mourir, ils aiment trop le banga. Il faut les clasher. Clashe les petits qui marchent avec l'âme qui tue là. Mais désormais, tu es américain. Pas les problèmes qui concernent aussi l'Amérique. Pourquoi tu ne parles pas? Tu fuis ton nez, tu es là, tu fuis les pieds, tu clashes, tu insultes, tu déstabilises, tu mélanges les têtes des gens. Et tu viens te nommer, je suis les gens. Dans les gens de quoi? Les gens dans les conneries. Un papa de 60 ans. Tu n'as pas honte. L'autre est là-bas en Finlande. L'autre est là-bas en Finlande. Oh, j'ai maison. Il passe son temps à insulter les gens. Enfoiré. À l'époque, quand il faisait ces vidéos-là, quand il n'avait pas encore tout ce que le gouvernement lui a donné là, il n'insultait pas les gens. Dès qu'il a eu ça, premier des choses, enfoiré, la espèce d'enfoiré, tu n'as rien. Voilà ma maison. Vous connaissez combien de Camerounais ont des maisons, des châteaux, même on va faire un château terrible ici. Là, vous connaissez les gens qui ont tout ce genre de choses-là. Toi, tu es là, tu vis avec une femme finlandaise. Que vous avez, parce qu'elle travaille, toi aussi tu étais obligé d'aller chercher un petit travail, tu as cherché un petit travail, mais quand vous allez prendre le crédit,
pour prendre ces maisons-là. Et vous, de même temps, vous êtes obligé de travailler pour y payer jusqu'à la maison-là va vous revenir. Et tu n'es même pas sûr que le jour que vous allez finir de payer tout ça, sur l'angala, va te jeter dehors. Elle va te jeter dehors parce que les gars n'aiment pas de bruit. Et toi, tu es quelqu'un qui crie. Tu es tout dans ta chambre. Ado. Elle fait semblant comme ça avec toi. Mais le jour que vous allez finir de payer cette maison-là, elle va te dire que je ne veux plus que tu fasses les vidéos dans la maison. C'est ce qu'elle va te dire. Je ne veux plus que... Tu connais les femmes blanches. Première chose qu'elle va te dire, je ne veux plus que tu fasses les vidéos dans la maison. C'est parce que ça dérange les enfants. Ça nous dérange. Donc, il faut chercher un coin. C'est comme ça qu'elle va commencer. Donc, tu vas commencer à Wanda, là, Wabama, elle va commencer à chercher, à te jeter dehors et chercher peut-être un autre Africain qui est calme. J'ai dit. Donc, partager ça, il faut que ça arrive au Corona, là.